Hello, bonjour les amis. Donc voilà le parcours. Alors on est samedi, donc de demain dimanche. Alors ce sera un parcours de 97 km, 650 mètres de dénivelé. N'ayant pas trop de dénivelé, je pense que je vais me tenter en vélo musculaire. Donc le vélo électrique restera à la maison. Et on verra bien ce que ça donne, hein. Alors soit il y a le camion qui suit derrière dans les bosses, soit j'y arrive, soit je m'accroche, soit je m'abrite derrière, ou soit je rentre tout seul. Ça sera l'aventure. Et le vélo électrique restera au chaud. Allez, à tout à l'heure. Bon, le soleil à vouloir d'être un petit peu de la partie. Donc, comme prévu, c'est parti avec moi. On verra bien ce que ça donnera. Pas trop de vent. Voilà, nickel. Bon, la route est humide, mais bon. Pas de pluie prévue au programme. Oh la vache! Hello! Qu'est-ce qui se passe quoi? Allez, petite là-bas. Ah merde, je me suis trompé de vélo, les gars! Ah bah, vous allez m'attendre, hein! Tu me l'aurais dit, moi, j'aurais pris le vélo électrique! Ah non, 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 mais reste au chaud! Allez, je tente le coup! Pas de vent, pas trop de bosse! Jean-Paul, il y a le camion! Hein, parce que là, c'est autre chose! Il a même pas de bidon, on a rien! Mais quand tu veux que je fasse le con avec ça? Ouais, tu l'as pas pris l'autre! Il a même plus! T'as même pas de bidon! Bon, il y en a un qui commence bien son dimanche! Tant que c'est plein, je me suis barré comme à la bonne vieille mode éclaireur. Je me l'autorise, j'ai pas mon vélo électrique. Bonne blague. Bon, toujours en éclaireur, mode contre la montre. Ça va pas plus haut, mais t'as bloqué en limite. Je suis quasiment à fond. Voilà mon maximum, 139, 139 plus. Bon, en dette d'oxygène à 139 quasiment. Je ralentis un peu. Bon bah, c'est bien au moins, je vois que la méditation me limite bien le cœur, ça me protège. Mais putain, qu'est-ce que ça essouffle. Salut Aïssa! Bon, je vais les attendre parce que je vais pas laisser le cœur à un peu trop élevé, mais les essoufflements, bon, ça va, je suis sécurisé, mais je préfère rester un peu plus tranquille. Tu viens d'où? Tu vas, ouais? T'as vu? Hein? Joël, ça va? Bon, t'as vu, j'ai pris le vélo mécanique, hein. Ouais, je suis joueur aujourd'hui, je suis joueur. J'ai vu ça, ouais. Ouais, je vais pas être joueur longtemps. Y a pas le même coup de pédale. Je vais pas être joueur longtemps. Bah, tu vas faire. Bon, allez, j'ai fait 14 bornes d'échappée. Tu vas tenir compagnie. J'ai tenu 14 bornes. Bon, mais les mecs, vous faites quoi là? Ah, mais vous foutez quoi les gars là? C'est pas possible là. Vous foutez quoi les gars? T'as pas pris l'électrique? Ben regarde, et en plus, je suis obligé de vous attendre. C'est pas possible ça, les gars. Bon, ça, je pousserai personne, hein. Faudra qu'on me pousse. Un petit film. Bonjour Hervé. Salut. Faut pas que je m'amuse trop à ça parce que après, faire piéger. Attends-moi.
Gosselin, t'as pas tes chaussures de running? Ça va être dur. Y'a un problème là? Exceptionnellement. Ce sera l'enchaînement les chaussures. Putain, y'a encore plein de poils d'araignée sur le vélo, c'est dégueulasse. Ah bah ça fait au moins 3 mois qu'il n'a pas enroulé sur route. Eh bah content de faire une petite balade avec toi. Ah, avec un aussi. Pas vu dans le... C'est parce que j'ai mon vélo classique. Ah d'accord, ça va faire. On va parler de 3 petites montées, il y a... Ah non, mais moi je tranquille. Dis, sauf là, je fais un peu illusion, mais dès qu'il y a un faux plat, etc., je suis à fond, quoi. Ok, bah... Ah, tout de suite, pas bah, le cœur... T'as l'air caché un peu, là, parce qu'il y a 3 montées, là. Ah mais c'est même pas question de me cacher, c'est question... le cœur à 140, il oxygène plus, et... De toute façon, t'es un bloc, quoi. Voilà, je, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Non, je rigole. Ouais, si y en a 10 restes là. Ouais, j'en profite, tant que vous n'y allez pas trop vite. Un caméraman, il a plus la moto, hein. Eh bah, ben, il essaye. Ça va être compliqué dans les rushs. Non, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire la grimace. T'as pas le droit de faire la grimace. Est-ce que je vais faire? Ah bah ouais pour l'instant. Soleil, hein, un peu de soleil, ça fait du bien. Bonjour Hervé. Bonjour. Re. Qu'est-ce qui se passe encore? On a perdu le camion, Jean-Paul. Si ça c'est. Bon. Bon, t'as rechargé le D2I ou t'as pris le vieux truc? Non, j'ai pris un nouveau là. Aïe. Exprès de le perdre. J'essaie de prendre un peu d'avance, mais pas tant que ça. On monte la côte des Bordes.
n'y a pas de camion derrière, donc ça risque d'être vachement dur pour moi. Ça. Allez-y, m'attendez pas. Merde. Cent trente-six pulses. Allez, ouais. Tu vois, Joël, j'arrive pas à être sûr. 139. 140, allez, je suis à fond. 140, c'est fini. Oh bah t'as le cœur qui monte, toi. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait, 140. Change pas, Hervé. 141. Pas 140, je peux plus parler. J'ai dit qu'aujourd'hui, je filmerais le groupe Eto, mais... C'est même plus un groupe Eto, ça. On est encore derrière, hein. Ouais, ouais, bon, ça va. On gère. Ça va aventure. Ouais. Mais c'est qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le camion derrière pour m'aider. Non, non. Il n'y a pas le camion, là. Il est perdu. Ça, j'avais pas prévu ça dans le scénario. Et en fait, mon cochon, oui. La semaine dernière, ouais. C'était bien une fille. Oui, 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 oui. Non, mais au début, j'ai eu un doute. Et qui c'est qui l'a poussé? Bah, c'est moi. Ah. Eh oui. Vidéo, ouais. Ouais. Si, mais au début j'ai eu un doute avec le casque, les lunettes, tout ça. Voir. Puis tu vois, elle avait pas les hanches trop prononcées, tout ça. Ouais. Mais si, si, quand même. Si tu vois un mec qui la pousse par le cul, c'est forcément une malheur. Ah, elle était contente. Hein. Bah ouais. Non, c'est cool. C'est pas mal le fait que tu sois là finalement. Bah ouais, ouais, enfin, c'est. Finalement, c'est cool, on le bah, ça rassure, bon, quand même. Voilà. Ça permet de rassembler quoi. Juste avant la descente de Saint-Pé de Clairefontaine. C'était juste. On va prendre à gauche, il y aurait une piste. Ouais. Non, on fait droite-gauche. Ouais. Son chambre, là, la petite bosse. Oh. Ah bah dis donc, je fais pas ça tous les jours. Ah, c'est trop beau.
le lac dégelé. Hein. Le lac Titicaca. Ça a fait une sacrée sortie, les gars. Présent. Présent, présent. Ben, moi aussi, présent. Je suis présent, dis donc. Incroyable. Bon, je suis parti prendre de l'avance après son champ pour essayer de monter la côte de Pont-Sébrard à ma main, dirons-nous. Ouf, c'est fait. Je vais même me payer le luxe de faire un petit film. Il faut un moteur électrique. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils font les autres là? Qu'est-ce qui s'est passé? Derrière. J'attends. Hein. Ouais, ils attendent Jean-Paul, ils font quoi? Oh, bizarre ça. Moi qui me croyais bon. Ah, bah, les costauds. Sur la vidéo là. Ah oui, oui. Bah, vous avez retrouvé Jean-Paul là? Dans 5 semaines, cette même, je suis reparti en mode éclaireur pour essayer de monter la bosse une nouvelle fois à ma main. Ouais, là, la botte qui va vers Corbreuse. Ouais, mais là on est tout blanc, sans blague. Ouais. Ça pique là derrière. Là, ils attendaient le petit jeune Antoine. Oui, Antoine, ouais. Donc je sais pas s'il est en dessous ou pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec le trafic là, c'est le bordel, ouais, il est plus là. Le trafic, en fait, je l'ai vu arrêter à Boissy-Saint-Thion. Ouais. Il y a Georges, je crois qu'il est. Ouais, Borges qui a un problème avec son. Ouais. Et ensuite, avec sa cassette, et puis ben, après, le camion vous a doublé. Ben oui, il a déchargé ouais. Georges. Il a essayé de décharger. Ah, bon. Je sais pas plus. Hein. Bon, résultat, je suis voué à moi-même avec mon vélo musculaire. Voilà. Exactement. Bon, c'est parti pour la bosse direction Corbreuse. Derrière. Ah, tu vois, fallait au moins ça, hein. T'as vu? T'as vu qu'il fallait au moins ça. Tu les excites aussi, Hervé? Non, non, non. Là, ils sont le couteau entre les dents, là. Ah! Ah, bah, yo. Il était temps.
Non, je suis trop. C'est pas bon. 144. Je peux pas me permettre. Tu peux rester avec eux. Hein. Non, mais je les rattraperai si tu veux. Ouais, je suis bien. De toute façon, ils vont s'arrêter, il faut les cons jusqu'en haut de la montée, et puis après ils vont arrêter. Bah, c'est bien quand même d'avoir le beeper. Ouais. Parce que là, je suis monté à 144, là, faut, voilà. Faut rester sérieux. De toute façon, bon, j'étais à bloc, hein. Ouais, ça y est. Voilà. Ça y est, ils sont comme des... C'est comme des enfants, hein. Ouais, c'est encore Alain qui fout sa merde. Plus vieilli, plus fout sa merde. C'est bon signe, ça. Ouais, c'est bon signe. Ouais, c'est à droite normalement. Hein. Ouais. Alors pourquoi vous vous arrêtez si c'est à droite? Il y a plus de camion surtout. Richardville. La cuvette de Richardville est passée. Un meuble derrière. Ça bruitait un peu. Le château, mais il est nettement moins beau le vélo. Comme qui dirait, on a pris un peu de terre. Voilà, crado. Ah, c'est pas du joli joli ça. Les stats du jour, 106 km, 692 mètres de dénivelé et 30,1 de moyenne. Bah écoutez, ça s'est pas trop mal passé. Heureusement que j'ai anticipé toutes les bosses, j'ai pu partir un petit peu devant pour pas me faire larguer derrière. Et ça a été assez compliqué parce que le camion de Jean-Paul a eu un souci. Et puis finalement, on s'est retrouvé sans camion balai. Donc content de ma sortie, j'ai réussi à m'en sortir et c'était sympa. Voilà. Alors bien sûr, la sortie était sous surveillance cardiaque vu que j'ai pris mon vélo musculaire. Donc là où j'ai mis la petite barre, c'est ma pointe à 148 pulsations, sachant que les bêta bloquants
me régule normalement à 140, donc là j'ai un petit peu dépassé, mais si on voit la moyenne générale, j'étais à peu près à, si je prends le point de moyenne, ouais, 124, donc j'étais à 124 pulsations de moyenne sur la sortie. Bon, pour moi forcément c'était une sortie assez compliquée et j'étais toujours en prise, mais si on regarde bien, voilà, donc 140, on voit bien que le bêta bloquant à 140, ça monte pas tellement plus haut, ou alors je suis complètement essoufflé. Et j'en profite pour préciser, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur YouTube ou de copains, souvent ils me disent « Ouais, t'es essoufflé Hervé, avec si t'es arrivé, va moins fort, etc. » Donc justement, le bêta bloquant, ça sert pour limiter mon cœur à 140 pulsations. Et effectivement, à 140, ben, moi qui je lui en demande plus, mais il n'ira pas plus haut. Donc je m'essouffle, je vais souffler, je suis à fond, mais le cœur, lui, justement, il n'est pas à fond, il est protégé grâce à ça. Donc voilà, je tiens à préciser que quand je suis essoufflé et que j'en peux plus, vous inquiétez pas, je vais moins vite qu'avant, mais le cœur, lui, justement, il est protégé. Voilà. Et si ça se passe mal, s'il s'emballe, ben, j'ai toujours mon défibrillateur, hein, double bretelle, comme on dit, avec deux sondes qui vont dans le cœur, et c'est 700 volts directement. Donc là, je suis choqué. Blim! Voilà. On m'électrocute un petit coup pour me rappeler à l'ordre. Bon, voilà mon petit résumé médical. Et puis, je vous dis à la prochaine.